Taurin! 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 Mais enfin, où est-ce qu'il est? Taurin, quand vas-tu enfin agir en adulte? Et tu allais chercher ces outils en ville comme je te l'avais dit? C'est que je pensais le faire demain. Non, j'en ai besoin demain matin. Va en ville maintenant. Oui, papa. Dépêche-toi, Taurin. Et ne sois pas en retard pour le dîner. Ok, maman. Ce n'est pas ce que j'attends de la vie. Je veux être un héros. Et puis les héros ne font pas les courses. Pas vrai, Boogle? Boogle? Boogle! T'es encore en train de dormir. Oh, Boogle! Est-ce que c'est tout ce que la vie réserve? Faire des courses en ville? Je ne veux pas vivre la vie sans avoir d'abord vécu dans ma vie. Oh non! Pourquoi? Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Que s'est-il passé? J'ai vu. J'ai tout vu. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je ne faisais que passer quand tout a commencé. J'ai eu si peur que je me suis caché derrière cette grange. Mais qui a pu faire ça? Le coupable doit être un sacré sorcier. Ou sorcière. Pourquoi? Qui possède autant de pouvoir ici? Personne que je connaisse. Il y avait bien quelqu'un avant. Mais non, Licentia est partie depuis des années. Licentia? Qui est Licentia? Non, ça ne peut pas être elle. Cela fait des années qu'elle a été condamnée à rester dans les terres du bas. Les terres du bas? Elle devait être drôlement méchante pour finir là-bas. Oui, mais ne compte pas la trouver. Je sais ce que je vais faire. Je vais trouver cette Licentia et la forcer à libérer mes parents. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien en l'air mûr. Si seulement j'étais payé un plébeur pour chaque coup de hache que j'ai donné. Allez, Boogle, on y va! J'aurais peut-être besoin d'un petit sac. C'est là que papa aimait s'asseoir après dîner et qu'il s'endormait. C'est la chaise préférée de maman. J'espère qu'elle va bien. Ouh! Ouais! Le fourneau est toujours chaud. Hey, toi! Reviens ici. Viens ici, centimètre. Ah, je te tiens maintenant. Chaque fois que je vois Crystal City, je trouve que c'est impressionnant. Je ne pourrai jamais traverser ce fossé. Peut-être que cela attirera l'attention de quelqu'un. Halte! Qui va là? Taurin de la vallée de Farman. Le pont est levé! Oui, je vois bien. Mais je pensais que j'arriverais peut-être à vous convaincre. Mais on dirait que non. Bonjour! Halte! Oh! Vous êtes déjà arrêté? Ah oui? Eh bien, pourriez-vous vous manier un petit peu? Mais quoi? Pourquoi? Vous gênez mon emploi du temps. Oh, ok. Halte! Qui va là? Ben c'est moi! Vous savez bien, vous venez juste de me dire de partir. Oh! Ok. Halte! Mais je suis arrêté. Je me suis arrêté quand vous avez dit halte la première fois. Quoi? Je n'ai pas dit halte! Mais si! Non! Vraiment? Bah! Alors, n'y faites pas attention! Allez-y! Mais... je n'ai pas encore demandé la permission d'entrer. Bah! C'est pas grave! Allez-y! Mais pourriez-vous... Oh, eh bien non... Halte! Oh non! Écoutez, tout ce que je veux, c'est aller à l'intérieur. Oh! Impossible! Le pont est levé! Mais je vois ça! Mais je pensais que vous pourriez peut-être... Eh bien non. Halte! Oh! Combien de fois allez-vous me jouer ce tour? Hein? Combien de fois allez-vous jeter ces cailloux? Écoutez, j'ai besoin d'informations à propos de Licentia et des terres du bas. Pouvez-vous m'aider? Les terres du bas? C'est pas un lieu que vous voulez connaître. Quant à Licentia, je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. C'est pas un endroit, c'est une sorcière. Je dois absolument la trouver. Eh bien, je peux vous dire qu'elle n'est pas là. Maintenant, partez. Vous interrompez ma sieste. Oh, c'est pas vrai. Vous n'êtes vraiment d'aucune aide. Ne comptez pas sur moi, hein? Allez, bonne nuit! Bonjour! Je ne vous entends pas, je dors! Oh, ça m'étonnerait, vous êtes en train de parler. Non! Je dors! Non! Mais si! Non! Ah, mais si! Oh, j'abandonne. Si une sorcière se trouve quelque part, c'est certainement pas à Crystal City. Oh. Waouh! Ces épines sont très piquantes. Je ferais mieux de faire attention. Pourquoi je prends une feuille? 19, ça pisse. Non, trop mignon. Bien joué. Merci, Desanti. Ouais, c'était du boulot. Et pour vous, ce sera Monsieur 2 centimètres. Hé, hey, reviens ici. C'est laquelle? Ah non, ça suffit. Je te tiens maintenant. Boogle, tu veux t'occuper de ça, s'il te plaît? Cet arbre est couvert de limaces exotiques, rapides et arrosées à la caféine. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez rien d'autre à faire que de regarder les escargots? Eh bien, en fait, oui, c'est vrai, j'ai pas mal de choses à faire. Mais qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Et vous alors, qui êtes-vous? Ouais? Vous êtes qui? Je suis Thorin. Thorin Farman. Farman tête de gland. Farman tête de gland. Visqueux, elle est bonne celle-là, hein? Merci, Visque. Allez, frappe-la. Tape à l'œil. Visqueux et Visque, vous avez l'air très différents des autres que j'ai rencontrés. Différents? Bien sûr qu'on est différents. Et qu'est-ce que tu crois? Je veux qu'on est différents. Vous parlez d'un tandem. Ouais, il nous manque plus que le vélo, hein. Un vélo? Et Visqueux, elle est bonne celle-là, hein? Merci, Visque. Allez, frappe-la. Tape à l'œil. Et qu'est-ce qu'il y a d'amusant au fait que vous formiez une paire? Parce qu'ensemble, on fait du bave, il nage. C'est nous les limaces sur glace. Ouais, on s'entraîne pour les Jeux Olympiques dans la catégorie couple. Maintenant, faut nous excuser, mais faut qu'on s'entraîne tant qu'il fait jour. Bonne chance. Peut-être que je repasserai par ici plus tard. Ben, on n'ira pas vous chercher, hein. Pas aller vous chercher. Ah, Visqueux, elle est bonne celle-là. Merci, Visque. Allez, frappe-la. Tape à l'œil. Aimeriez-vous utiliser une plus grosse feuille? Oh, belle texture. Jolie structure. Bonne taille. Avec la marque des professionnels. Et assez grande. Pourquoi pas? Ok, ça marche. Ouais, marché conclu. Allez, frappe-la. Non, merci. Tant pis pour toi. Mais c'était sympa de ta part. Ouais. Et vous savez ce qu'on dit à propos des gens trop bons? Enfin, Visqueux, tu vois pas qu'il en a aucune idée? Oui, je crois que t'as raison. Ok, voilà un indice. Les limaces adorent l'écume. Limaces? Écume? Ouais. L'écume de la mare est bonne. Tu peux te la garder, ton écume de mare, hein? Celle des tourbières, en revanche, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais, la tourbe, y a rien de mieux. Oh, ouais, la tourbe, c'est incontournable. Dommage que tu puisses pas en avoir. Comment ça, je peux pas en avoir? Je sais où il y en a. Ouais, tu sais où? Mais tu sais ce qu'il y a dedans? Comme dans... Qu'est-ce qu'il y a dans ce fossé? Oh ouais, des croctopuces, et plein. Est-ce que c'est pas croctopie, au pluriel? Croctopie, croctopus. Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, tu pourras jamais t'approcher pour récupérer de l'écume du fossé. Hé, une minute! Vous n'allez pas passer vos épreuves olympiques dans ce coin-là? Ouais! Pourquoi? Eh bien, si je vous emmène là-bas, m'aiderez-vous à obtenir de l'écume? Visqueux! Qu'est-ce que t'en dis? Ok. C'est toujours mieux que de ramper, hein? Ok, mon gars! On y va! Voilà. Montez sur la feuille. Nous voilà enfin rendus sur le site des Jeux Olympiques. J'espère que vous gagnerez la médaille d'or. Merci Thorin, t'es un chic type. Et merci. En retour, je dirai du bien de toi auprès de mes potes les croctopustes. Non, c'est pas la peine. Tout ce que je veux, c'est de l'écume de fossé, et beaucoup. Oh, c'est vrai? Et où tu la veux? Eh bien, là. Et Croc, donne de l'écume à ce garçon, hein? Bon, eh bien je crois que pour l'instant je vais laisser de l'écume de fossé à cet endroit. Je vais vous avoir maintenant. Ces limaces sont tellement rapides. Je ne vais jamais pouvoir les rattraper comme ça. Si seulement je pouvais fabriquer un piège. Boogle, peux-tu fabriquer une boîte? Juste au-dessus de l'écume. Ça y est, Boog, on les a eus. Plus de caféine pour vous, mes cocottes. Merci, Boogle. Une tourbière, hein? Mais c'est pas assez solide pour marcher dessus. J'espère que ça va marcher. Maintenant, comment vais-je récupérer mon sac? Boogle, arrête! Quoi? Boogle, tu aurais pu me dire que tu pouvais marcher directement sur la tourbière. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, seulement si c'est rigolo? Pour faire un bon repas, voilà une racine de choix. Y'a quelqu'un? Non, je ne crois pas. En cas d'urgence, briser la vitre? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense pas que j'arriverai à la casser. Jolie couleur bleue, hein, Boogle? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Hein? Qui tu es? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais là? T'essayes de te faufiler, hein? J'ai le regret de te faire savoir que je ne dormais pas. Je t'ai attendu arriver. Mais non, j'essayais pas de me défiler. Je m'appelle Thorin, et il me faut absolument rejoindre les terres d'en bas. Pouvez-vous m'aider? Les terres d'en bas? T'es l'un d'entre eux! Alors, tu ne peux pas rester là! Retourne immédiatement d'où tu viens! Ouais, les gens de ton espèce ne m'échappent pas! Et toi non plus! Tu ne m'échapperas pas! Oh non, vous faites erreur! Je ne viens pas des terres d'en bas. Je veux seulement y aller. Vous connaissez le chemin? Y aller? Mais personne va là-bas! C'est pas un endroit pour les gens respectables! Il y a que des toqués! Des mécontents! Des fous! Et des politiciens! Non, non, non! Il n'est pas question que je te laisse aller là-bas! Ah, donc vous connaissez le chemin? Je vous en prie, monsieur, je dois absolument aller dans les terres d'en bas. Laissez-moi entrer. Non! C'est hors de question! Personne ne rentre dans cette guérite à part Marlève! D'ailleurs, je me demande où il est! Ça fait 10 ou 12 ans que je l'attends! Il n'a jamais été aussi en retard! Allez, oust! Et ne reviens plus là, hein! Halte là! Qui va là? C'est moi. La relève! Quoi? Vous êtes qui? C'est pas trop tôt. Vous devez avoir au moins 10 ans de retard. Qu'est-ce que vous avez fichu? Il y avait beaucoup de circulation. Hein? Bah, peu importe. Dépêche-toi de rentrer là-dedans. Je meurs de faim, moi. Ok. Perk! Oh, je peux pas dire que j'affectionne les nouveaux uniformes. Ok. Allez, quoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils vous apprennent au bahut? Eh bah, pas mal de choses, mais on peut pas dire que je sois le premier de la classe. Hein. Ben, je vois ça. Et les traditions, elles signifient plus rien. Que va devenir ta génération? Et dis donc, où sont tes provisions? Mes provisions? Et mon repas? Tu connais la tradition de la garde? Avant de prendre la relève, le remplaçant doit toujours cuisiner le dernier repas du garde sur le point de partir. Oh, je le savais. Ouais, ils nous l'apprennent encore à l'école. Que désirez-vous? Tu veux dire que t'as rien emmené avec toi? Eh bien, ici tu trouveras pas le confort de la maison. Mais c'est ton problème, pas le mien. Par contre, je sais ce que je veux. Ok, alors pour votre dernier repas, qu'est-ce que vous désirez exactement? Dernier repas? Oh, je suis pas encore mort. Mais... t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es Marlève? Oh, eh bien oui, je suis la relève. Vous savez, la tradition veut que le remplaçant prépare le repas du garde en place. Aussi, je vais aller vous préparer ça. Bien sûr que je sais. Et je sais aussi ce que je veux. J'espère que t'as tout emmené avec toi. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je commencerai par un jus de fruits avec des baies sauvages fraîchement pressées. Je veux pas de trucs en boîte. Jus de baies sauvages, hein? Ah, vous voilà. Je vous ai apporté des baies sauvages. Super! Maintenant, fais-moi du jus de baies sauvages. Quoi? Oh, d'accord. Où est la centrifugeuse? Je te l'ai déjà dit. Là-bas, sur le placard. Boogle, peux-tu te transformer en guitare? Ouais! Voilà! Dites, c'est quoi comme baie? Des baies sauvages pour du rock sauvage, bien sûr! Sont bonnes, mais maintenant j'ai un peu faim. Oh, c'est pas vrai. Tu sais de quoi j'ai envie? J'ai peur de découvrir. Des gastropodes farcis. Des gastropodes farcis? Vous voulez dire des escargots farcis? Jamais entendu parler de ça. Dis, t'es sûr que t'es de la région? C'est le genre de plat qui ne me fait pas vraiment envie. Oh, ok. Je vais vous le préparer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, des limaces et de la tourbe, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je vais m'assurer de préparer la farce juste pour une personne. Voilà les limaces et la tourbe, comme vous l'aviez demandé. Il faut quand même que je vous dise que j'ai fait un sacré effort pour vous trouver ça. Ouais, c'est ça. T'as probablement été chez l'épicier du coin. Comment? Vous voulez dire qu'il y a un... C'est juste une blague. Tu trouveras pas de bouffe ici. Mais c'est de plaisanterie, hein? Dépêche-toi donc d'aller dans la cuisine et de te mettre au boulot. Ok, mais il faut que je vous prévienne. C'est la première fois que je mets mes talents de cuisinier à contribution. Enfin, au moins c'est rapide à préparer. Régalez-vous bien. maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Et maintenant, pour finir, un repas presque parfait. Un dessert avec un petit café. Un dessert? Un café? Oh non! Oh, arrête tes gémissements, ok? Oublie le café. Apporte-moi seulement un dessert. Ouf. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez comme dessert? Eh bien, il n'y a qu'une chose qui va bien avec les limaces farcies. Oh, j'ai peur de savoir. Une racine! Mettons-nous d'accord. Si je vous donne une racine, est-ce qu'ensuite ce petit jeu sera fini? T'as tout pigé, mon gars! Ouais! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une bonne vieille racine! Et une grosse racine! Voulez-vous m'aider à la préparer? Non! Je vais juste attendre patiemment! J'aurais dû m'en douter. Dis donc, tes racines, elles sont bien carrées! Celles-là, ce sont les meilleures! Ok. Et si je faisais une tarte avec ça? Formidable! Pendant qu'elle cuit, si on allait faire un petit tour dans la salle du phénocristal? Ah! Respirer cet arôme! Tu sais, il n'y a rien de mieux que de rentrer chez soi et d'être accueilli avec une tarte aux racines carrées. Ouf. Alors ça signifie que la petite plaisanterie est bientôt terminée? Non! On va traverser le passage secret! Attends ici pendant que je vais chercher quelque chose! Choisis un cristal! N'importe lequel! Hé hé! Ça fait 15 ans que j'attends ça! Voilà mon pote! La baraque est à toi! Je vais me couper un bout de tarte et puis je me tire! Eh ouais! Faut bien que je rentre à la maison! Faut-il encore que je trouve le chemin? Hé, attendez! Et moi? Vous deviez m'apprendre comment ce truc marche! Comment ça marche? Impossible! Je me souviens pas! Fais pas de bile, car de toute façon, personne n'est passé ici depuis des années! Mais est-ce que c'est le chemin vers les terres d'en bas? Peut-être, mais tu t'en fiches. Tout ce que t'as à faire, c'est t'assurer que personne d'en bas aille vers le haut. Ce podium doit avoir une valeur importante pour ce gros cristal, où il ne serait pas protégé par ces grosses pierres. Cette poudre doit être importante. Qu'arrivera-t-il si je n'en trouve pas dans les terres d'en bas? Je ferais mieux de trouver quelque chose qui puisse contenir assez pour que je puisse rentrer à la maison. Je ferais bien de prendre assez de poudre. Si elle me permet de rejoindre les terres d'en bas, j'en aurais également besoin pour rentrer à la maison. Et maintenant, comment vais-je traverser ça?